Et salut à toutes et à tous, c'est Chrono et on se retrouve pour ce 36e épisode de Golden Sun, l'âge perdu. Et donc la dernière fois on avait fini le Mont Magma, on avait eu la synergie embrasée et là on va se diriger vers un endroit qu'on avait déjà vu mais que je n'ai pas encore été, qui n'est pas très loin. Puisque je me repère, c'est plus voilà, plus vers le nord. Donc assez sur ce continent, non c'est pas ça. Alors ça c'est une colonie gondoine, on y viendra si jamais il y a besoin de chercher des djinns. Mais je crois pas qu'il y a un djinn ici. Ah, j'ai un truc dans l'œil, c'est pas vrai. Ah. Excusez-moi. Ah, ça va un peu mieux ça. Voilà. Le truc qui m'est rentré dans l'œil. Normalement ouais. Ah non c'est pas là, faut se diriger déjà vers les plages. Voilà. Voilà. Plus vers le nord. À la prochaine plage, normalement, je crois que c'est bon. Voilà, c'est ici. Ah d'ailleurs, bah avant, je vais vous montrer le petit bug. Si j'y arrive. Ah, parce que je sais plus comment on fait, si on peut aller là, juste en dessous, là. Bien se poser et vous pouvez accoster en dessous. Mais je ne sais plus comment on fait. Je ne sais plus. C'est pas bon, je me renseignerai à nouveau pour savoir comment on fait, mais je sais que c'est possible, j'ai déjà réussi. Ça me semble pas que ce soit compliqué. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Ouais, je réessayerai après en sortant. Donc nous voici à Loho. Bienvenue à Loho, ici on extrait les métaux contenus dans la roche. Le métal utilisé pour ces ruines anciennes sont provenus contre ces rochers. D'importantes fouilles ont lieu en ce moment, et parallèlement on creuse. Alors, ouais, j'adore c'est quoi ces trois éléments là alors qu'il n'y a rien quoi. Là c'est les reliques donc. Ah pas mal ça. J'achète. Bon ça je m'en fous. Une potion voilée tu vois. Ah, on en profite pour acheter des petits trucs comme ça. Bon, on a rien à réparer. C'était voilà, c'est juste pour voir. On va utiliser la pomme. Hein. Ah, pousse l'attaque. Qui est le meilleur? Ah putain, quand même Pavel. Pavel quand même. Ah à moins, attends, faut que je regarde quand même. Ah non, il est seigneur. Ah, mais il a un djinn en bon, hein, c'est pour ça. Il est moins puissant, il est en tueur. Pavel, il est au stade supérieur, donc c'est pour ça qu'il est même avec deux niveaux en moins, il a autant de... Enfin, il a plus d'attaque que Vlad. Et aussi parce qu'il a une meilleure épée. J'ai quoi avec Pavel? J'ai Excalibur, c'est sûr avec ça. Ça ne peut être que meilleur. Mais vous inquiétez pas, hein, on aura... D'autres armes pétées, il n'y a pas de souci. Ah, il y a un petit djinn. Voilà. T'es bizarre, on trouve un vieux canon lors des fouilles récentes. Cette curiosité se trouve près du mur, non loin des ruines. Et si c'est le sanctuaire, là, le... l'église. Ce mur est indestructible devant toutes les chaînes pour le détruire en vain. Il doit y avoir de précieux minerais et métaux de l'autre côté. Ok, ils veulent péter ce mur. Et, je vais essayer de grimper. Ouais, c'est possible d'aller au niveau supérieur.
Ah ouais, mais là on est trop haut là. Ah non, je crois que pour avoir le jean, ouais, il faut péter le mur. Bon, on va parler aux gens. De toute façon, on a ce qu'il faut pour péter le mur, hein. Je pense que vous devinez quoi. Hein? Vous convoitez ce canon? Eh bien, si vous trouvez le moyen de détruire ce mur, il sera à vous. Nous projetons d'utiliser le canon pour détruire le mur, mais il faut des munitions. Nous pourrons le charger de billes en métal, mais comment canonner? Il ressemble à une baliste, mais son fonctionnement n'est pas le même. Il semble vide. Et là, bien sûr, il faut essayer. La boule magma, c'est pour ça qu'il faut faire le mont magma. Ça sert déjà à prendre la synergie, mais en même temps, à pouvoir péter le mur. Mais surtout à avoir le canon, parce qu'ils ont dit qu'ils nous le donneraient si on pétait le mur. Tout le monde va bien? Vous avez entendu? Quelle détonation! Qui vous a permis de faire un boucan pareil? Eh, regardez! C'est pas moi qu'il faut regarder! Le mur! Regardez le mur! Le mur! Il a disparu! En effet, on peut se rendre de l'autre côté sans prendre aucun problème! Comment on fait pour détruire le mur? N'importe, ce qui compte, c'est qu'on puisse creuser de l'autre côté du mur! Oui, peu importe le moyen, l'important c'est d'arriver à ses fins! Et bien le canon est à vous comme convenu! Ce canon est un fardeau, très lourd! Hein. C'est dans ces étrangers, n'est-ce pas? Viendrait-il de TK ou de Speria? Je l'ignore, mais ils sont venus en bateau! Oui, j'aperçois un bateau amarré près de la berge. C'est votre bateau? Oui. Eh bien, pourquoi ne pas nous laisser transporter le canon à bord? Par contre, ils sont le pif rouge, hein. Donc, ça doit être une spécialité locale. Ils ont aussi, j'ai l'impression, une moustache rouge, sauf le vieux. Sa moustache n'est pas rouge, enfin, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il n'y a que son nez qui est rouge au vieux. Donc ici il y a un truc. C'est. Normalement je crois que c'est un cœur de golem. Non, je veux creuser avec Pavel. Cœur golem à Vlad. Et après, on va essayer de soulever. Et oh bah encore un. On est chanceux aujourd'hui. Alors, cœur golem. Et là, normalement, on va pouvoir avoir le djinn. Voilà. On va ici. Et normalement, il va rejoindre notre cause directement. Parce qu'on est dans une ville. Hein. En général, quand ils sont dans les villes, ils viennent avec nous. Hein. Parfois, il y a des exceptions. Mais c'est surtout quand c'est dans des cavernes. Ça me semble, une fois, c'est dans une ville, dans une caverne. On va quand même affronter le djinn. Me semble-t-il, je crois que c'est en Golden Sun 1. Enfin bon. Vous avez une mission à accomplir, donc vous nous quittez bientôt. Autre âge, j'adorerais prendre des risques et en tenter l'aventure. Tout est utilité de ce côté. Je vais me trouver un autre coin dans cette enceinte. Vous allez utiliser ce canon pour assujettir vos opposants. M'assujettir, ah oui, je vais les assujettir, mon cher. La détonation du canon a cru tout le monde sur place. Est-ce vous cas, tu viens tirer le coup de canon? C'est un bouffin en train de parcourir la mer du Nord. Et c'est justement ce qu'on veut. Soyez tranquille, nous allons transporter le canon sur le bateau. À présent, nous allons orienter les fouilles dans la région Nord. Et voilà. Maintenant, nous possédons le canon. Qui va nous servir bien sûr à aller encore plus vers le nord, hein, vers ici. Vous voyez qu'il y a un petit passage, on peut y aller, mais on voit rien ici, c'est voilà, c'est inconnu.
Mais non, ce que je voulais faire, c'est retenter le bug. Ah voilà, j'ai réussi. Et donc là, en fait, vous allez me dire, ouais, mais bon, t'es allé en bas, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pas grand-chose, si ce n'est de la nostalgie. Beaucoup, beaucoup de nostalgie. Ça ne vous dit rien ici? Non? Sérieux, ça ne vous dit rien? Rien du tout? Allez, réfléchissez un petit peu. Ça va très très vite vous revenir, surtout quand on va arriver à un certain lieu. Je vais pas montrer la carte là pour l'instant. Hein. Je pense que vous allez la reconnaître directement quand je vais vous montrer ce que je vais vous montrer. Normalement, je crois que c'est par là. Pas utiliser la map. Hein. Je vais le faire sans la map. De toute façon, on a... voilà, c'est une zone que je connais bien. Bon, les monstres sont pas très très puissants. Ah voilà, c'est là le pont. Bon, là c'est bon. Ça devrait vous dire quelque chose ici. Un petit tour d'horizon. Bon allez, on s'est agressé par des doux et autres bestioles. Pas très très puissantes, hein. 7 points, c'est vraiment nul. Normalement là ça devrait vous dire quelque chose. Ah, un petit village. Et oh, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? On peut pas y pénétrer ici. Mais je ne sais pas si vous avez reconnu. Mais ça devrait vous dire quelque chose. Hein. Je vous montrer la map. On est à Gondwana, bien sûr. Hein. On n'a pas changé de continent. Mais regardez un peu. Et oui, on est dans la zone qu'on a explorée dans Golden Sun, premier du nom. Et il n'y a qu'une seule ville de disponible. Val, mais on peut pas aller dedans, et derrière c'est le mont Alpha. Donc voilà, ce petit bug permet de pénétrer dans la région de Golden Sun 1. C'est le seul moyen d'y aller, mais il n'y a rien à faire. Et ils n'ont rien programmé ici parce qu'il n'y a rien à faire. Hein. Ils ont, voilà, il n'y a rien à faire. Mais c'est sympa quand même de pouvoir y aller. Je me rappelle, j'y allais. Il n'y a aucune autre ville et tout, il y a juste Val, mais on ne peut pas aller dedans. Hein. C'est juste un petit truc sympa. Que je venais à vous montrer, je savais plus trop comment on y allait, mais voilà, j'ai réussi. Et c'est sympa, voilà. Donc bien sûr, en bas, ce qu'on avait vu, c'était la mer de Caragol. Hein. Et on rappelle la traversée, on avait trouvé une île aux pirates et tout. C'était vraiment sympa, quoi. Parce que là, regardez, n'empêche, c'est vrai que Angara est sous-exploité dans ce Golden Sun 2, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lieux. Bah, après il doit y avoir peut-être des petits camps que j'ai pas encore découvert, mais on n'achampe pas les ruines d'Ankol, l'eau, il y a aussi le mont Magma qui n'apparaît pas sur la carte, c'est juste les villes et petits cols. Ah si, il est là le mont Magma. Ah, mais je crois qu'il apparaissait pas. Ah bah si. Ah bah non, il est pas en Angara. J'ai cru qu'il était en Angara, c'est pour ça que je le voyais pas dans les... Il est en Gondwana. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de lieux ouais, à Angara dans Golden Sun, pour Golden Sun 2 en tout cas. Sinon après il y a tous les lieux qu'on connaît dans Golden Sun 1, c'est bon, c'est pas là. Tous les lieux qu'on connaît dans Golden Sun 1, mais on ne peut plus y retourner. Hein. Parce qu'ils ont pas. Ils les ont pas créés dans Golden Sun 2, ils ont pas repris. Bah c'est compréhensible parce que sinon voilà, c'est quand même un jeu Game Boy Advance. Et déjà l'ouverture qu'il y a dans ce Golden Sun 2 est énorme. C'est pas un mal qu'on ne puisse pas retourner, enfin, qu'on ne puisse pas aller dans les anciennes villes de Golden Sun, premier du nom. Et qu'elles n'existent plus à part Val, mais qu'on ne peut pas explorer. Mais qu'on peut voir avec le mont Alpha. C'est juste ce qu'ils ont créé sur la carte du monde. Ah, je n'avais montré ça parce que c'est vraiment sympa. Ah, la mer de Caragol. Hein. Ça rappelle des souvenirs, même si c'est vide, c'est quand même sympa. Enfin, je ne sais pas si vous le saviez, mais si vous le saviez, dites-le. Si vous ne le savez pas, ben,
Bah je vous l'aurais fait découvrir ce petit truc. Parce que moi j'étais au courant, ça fait longtemps quoi. Et c'est vraiment un truc sympa. Là je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais faire un petit ellipse, je vais regarder un peu ce que je peux faire. Je ne pense pas que je vais continuer la quête principale, que je vais avancer trop. Je vais pas vous faire un épisode court. Pas trop court, ça dépend de la durée, mais enfin on va voir. Donc je fais une petite ellipse et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on est à Madra, on va commencer la recherche d'invocation de stèle. Et donc il y en a un à Madra, vu que j'ai réuni certaines synergies, je vais pouvoir m'enfoncer un peu plus dans les catacombes de Madra pour avoir une nouvelle invocation. J'ai regardé un peu, j'ai délié tous mes djinns pour voir quelle invocation il me manquait pour vraiment être sûr. Comme ça pour pas faire d'erreur et aller au mauvais endroit. Donc bon, les monstres, voilà, sont pas très puissants. Hein, ça fait un petit moment. Bon, je vais garder cette équipe encore un peu, puis après je remplacerai des personnages. Quoi. Pour essayer de faire un mix entre personnages Golden Sun et personnages Golden Sun âge perdu. Ah, comment on grimpe hein? Il n'a pas... Sophia aussi. Personne n'a... Ah oui, parce que j'ai tout délié, donc ouais. Personne ne l'a. Non, c'est pas là. Je me perds un peu. Je sais plus trop où il faut aller. Pour avoir l'invocation. J'ai le coffre, ouais, j'ai le coffre. Je sais pas si c'est la bonne entrée aussi. J'ai pris un peu par hasard. Ah oui, là. Pas tout exploré, donc je crois que ça va être bon là. Ah, après on en trouvera pas beaucoup d'invocations, enfin vous verrez où sont le reste. Non, je crois pas que ce soit par là, parce que j'y ai déjà été, je crois que c'est là, c'était on avait eu explosé ici. Non pas explosé mais secousse. Mais secousse. C'est explosé, c'était à la tour de Toundra. Ouais. Ok, à quoi ça m'a servi de venir ici? Tout est bloqué là. Comment je suis censé aller? Venir en arrière, c'est je crois qu'il y a un autre truc à pousser. Juste bien inspecter, ouais je crois qu'il y a... Ouais. On va revenir sur le tronc. Ouais, tiens. Un coffre. Une pomme. On va utiliser direct. Oh, j'en ai deux. Ah oui, je l'avais pas utilisé, j'avais regardé mais je l'avais pas utilisé. Allez, une pour un. Une pour lui. Voilà. Bon, les trolls, je m'en fous. J'ai appuyé, ça marchait pas, donc je crois que quoi. Ouais, maintenant, ouais, pour que tu fonces, allez,
fallait ici aller tout à droite. Voilà, ah, voilà, on avance. On avance. Ça dépend. Si je peux grimper. Ouais, je peux pas grimper là. Ah, ça commence à poser problème là. On va galérer pour une invocation. Le problème c'est comment on arrive là-haut. Là je ne sais point. Je ne sais point du tout comment on arrive là-haut. Bon, attends, je fais une petite ellipse, on va pas chercher trop longtemps. Mais... Je vais voir la solution. C'est là que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Voilà. Donc à tout de suite. Donc voilà, je suis de retour. Il faut que je regèle ça. J'ai trouvé comment on devait faire. Je l'avais pas grillé dès le début. En fait c'est simple, mais c'est le truc, c'est que je l'avais pas eu pour moi, c'était pas logique dans ma tête, mais en fait on peut passer ici, vu que ça a été bouché, il y a une entrée qui a été bouchée, et donc ce qui fait qu'on peut passer sur ce tas de roches, quoi, de gravier, ou tout ce que vous voulez, et ce qui fait qu'on peut aller ici. En fait c'était pas compliqué, j'ai galéré pour... enfin pas pour rien mais j'ai galéré même si c'était pas vraiment difficile. Parce que j'ai trouvé tout seul. Parce que j'ai regardé la solution mais... J'avais pas vu quoi. Donc en gros là il faut utiliser ce pouce qui est possédé par Lina. Pour faire tomber le coffre. Voilà, à l'étage inférieur. On peut pas y aller là. Il faut refaire, faut revenir en arrière pour pouvoir y aller. Est-ce qu'on peut... Ah, y a un chemin par là. Est-ce qu'on peut... Je sais pas, y descendre. Ah, en tout cas, c'est là où on peut voir le coffre et on peut y redescendre. Donc, des bons points. Et une potion voilée. Franchement, pas mal. Voilà. En tout cas là j'ai envie de tourner du Golden Sun, je crois que j'en tournais juste après cet épisode parce que j'ai vraiment envie de tourner. J'ai envie d'avancer. C'était où déjà? Ici non? Non pas ici, non, mais la salle centrale. Voilà. Nous avons la clé des ruines. Et cette clé des ruines va me permettre de... Je sais plus où est cette porte. D'ouvrir une porte qui est pas loin. Qui est ici, voilà. Et voilà, nouvelle stèle d'invocation. Donc Pavel peut maintenant invoquer Moloch, Moloch ou Moloch comme vous voulez, deux djinns du Mercure et un djinn de Jupiter sont requis. Ok. Je pense vraiment être sûr, dans un épisode, je ferai toutes les invocations, enfin pas toutes les invocations, mais au moins toutes les invocations de fusion, pour vraiment être sûr de les avoir faites, de les avoir tous montrées, parce que je ne sais plus laquelle je vous ai montré et laquelle je vous ai plus montré. Donc je les remonterai tous, voilà. Quand on aura des combats, voilà. On se les fera. Enfin voilà, donc on va continuer. On va faire je ne sais plus quelle stèle. Je vais regarder la prochaine stèle. Et on se retrouvera sur le lieu de cette stèle. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle stèle. On est en Ateca. Et tout au sud de ce continent, il y a une grotte. Donc je crois que c'est ici qu'il y a. La stèle, à moins que ce soit une autre grotte, mais non, je crois que celle qui est tout au sud.
grotte d'Ateka. Ouais, donc c'est celle-là. Voilà. Ouais. C'est pas par là. Il faut, d'abord, je crois, ouais, pouvoir s'approcher du point d'eau. Me semble-t-il, oh, si, si, c'est peut-être par là, alors, finalement. Voilà, le but, je pense, vous l'aurez compris, c'est d'utiliser asséché. Ouais. Mais par contre, comment je l'utilise? Parce que ça me semble un peu loin, là. Ça me semble vraiment un petit peu loin. À moins que ça l'atteint, quand même. Ouais, non, si, ça l'atteint. Je pensais pas que ça l'atteignait, mais... Mais si, ça l'atteint. Alors on prendra pas trop de temps pour prendre cette invoque. Hein. Alors on peut invoquer maintenant Quatlicu, 3 dunes de Mercure et 3 dunes de Jupiter en attente sont requis. D'accord. Et ah shit. Faut que je refoute de la flotte. Comment suis-je censé faire? Ah non, c'est bon. J'ai cru que c'était pas bon. Ça me semblait un peu haut, mais non, c'est bon. Voilà, et la dernière, je ne sais plus trop où elle est. Gondoan, mon magma, l'eau. On va se retrouver à l'eau. Ouais, j'aurais pu faire celle-là en premier finalement, parce que je sais qu'il y en a une au nord de l'eau. On sent petit ça au nord de l'eau. Alors je remercie vraiment Golden Sun World, parce que c'est vrai que... Je m'en souviens bien du jeu, mais il y a certains trucs que c'est un peu nébuleux dans ma tête et j'en souviens plus trop, donc c'est vrai que ce site m'aide pas mal. Ouais. Par contre, pour quand je ferai Golden Sun Obscure Aurore, ça va être chaud parce que je connais pas très bien le jeu, je l'ai fini qu'une fois, donc ça suffit pas pour tout connaître, surtout que je l'ai pas fini avec tous les jeans et tout. Donc c'est... ça va pas être facile, je vais devoir trouver une bonne solution, au moins pour les djinns. Enfin, on verra quand on y sera. Mais pour l'instant on est sur Golden Sun 2 et j'ai bientôt toutes les invoques et tous les djinns. Ça va être celle-là, en grotte d'Angara. Voilà. Ensuite, il nous restera 3 invoques, 3 invocations. Qui a porté? Ouais, c'était là. Il nous restera 3 invocations, mais celle-là, c'est assez particulier. C'est pas seulement dans des grottes qu'on les a. C'est quand même un peu différent de ce qu'on a eu à faire jusqu'à présent. Un peu pour le mettre au milieu déjà, comme ça je pousse l'autre et je le ressoulève, enfin je porte. Bon, pas très compliqué hein. Et voilà, on a mis les deux blocs l'un sur l'autre et on peut maintenant passer et avoir cette nouvelle invocation. Pavel peut maintenant invoquer Ores.
Enfin ok, il reste 3 djinns de Vénus et 2 djinns de Mars en attendant son requis. Voilà, c'est comme ça qu'on va conclure cet épisode-là, parce qu'il me semble qu'il ne me reste plus d'invoques que je puisse avoir pour l'instant. Parce que le reste, comme je vous l'ai dit, on va faire fuir. Le reste, c'est assez particulier, vous verrez quand on y sera. Mais bon, au moins j'ai eu toutes les invocations possibles pour l'instant. Tous les djinns possibles pour l'instant, me semble-t-il. Hein. Le reste sera sur la quête principale et dans d'autres lieux qu'on n'a pas pu encore accéder. Enfin voilà, on va se retrouver là on... près de... voilà, sur l'île de glace. Pour pouvoir être prêt à continuer et on ira la prochaine fois ici. On va aller se diriger vers le nord. Donc voilà, j'espère que ce 36e épisode de Golden Sun, l'âge perdu, vous aura plu. On approche vraiment de la fin. Ouais, je pense une quarantaine d'épisodes et... enfin, une quarantaine d'épisodes, pas une quarantaine d'épisodes restants, bien sûr. Mais ouais, dans la quarantaine, ça sera fini. Et ça sera encore une fois une belle aventure de fête. Et je vous remercie à ceux qui m'ont suivi déjà jusque-là. Et ceux qui auront aussi pris en cours de route. Voilà, merci à tous. Et à la prochaine.